C'est un genre. C'est un genre. De même qu'il y a un genre littéraire, un genre théâtral, des genres esthétiques, des genres politiques. Ça, c'est un genre qui travaille avec la puissance de l'infini, portée par ces objets particuliers que sont les concepts. L'ami, c'est celui qui se tourne vers, c'est qui se tourne vers l'autre et qui constitue l'autre, pas forcément dans un rapport d'identification, parce que l'amitié est parallèle à un rapport agonique, voilà. Mais qui, dans ce rapport singulier à l'autre, déploie un certain univers. Dans la complicité amicale, il y a toujours un troisième terme qui est le monde qu'on est en train de tisser, qu'on est en train de travailler. Et l'amitié socratique, c'est pas quelque chose qui se résout dans une identification homosexuelle, dans une incorporation de l'autre, c'est quelque chose qui est là pour tendre un filet qui dépasse complètement les rapports interpersonnels et qui donne une consistance à un certain type d'objets qui seront des objets conceptuels. Dans ce sens-là, vous êtes ami avec Deleuze, n'est-ce pas? Parce que vous créez ensemble un monde, vous deux. C'est ça. Mais comme je disais dans une interview, je suis ami avec Deleuze, mais je ne suis pas copain. Je ne sais pas comment vous pourrez traduire oui, ça. Oui, oui, oui. Ben, parce que, par exemple, avec Deleuze, on s'est toujours vouvoyé. On a toujours gardé une grande proximité, une grande distance amicale. Comme si on en avait besoin précisément pour maintenir la consistance de notre tapisserie commune. Félix Guattari, ο φίλος του Ντελεζ, όλο αυτό το πλατωνικό θέατρο της φιλίας που ο ένας πολλαπλασιάζεται μέσα στον άλλον, ο ένας ταυτίζεται μέσα στον άλλον και οι δύο μαζί παίρνουν μια δύναμη τραγική. Έτσι έχουν γράψει τα βιβλία που τους έκαναν γνωστούς όλο τον κόσμο, τον Αντιεδίποδα. Τα χίλια επίπεδα, το Μιλ Πλατό, το Ρίζωμα, τον Κάφκα και το τελευταίο βιβλίο τους, τι είναι η φιλοσοφία. Η
Μια σύμπτωση σφραγίζει αυτή την εκπομπή. Είχαμε αποφασίσει να συμμετάσχουν οι δύο μεγάλοι σύγχρονοι στοχαστές, ο Ζιλ Ντελεζ και ο Φελίξ Γκουατάρι. Απευθυνθήκαμε στον πρώτο και με ένα ευγενικό του γράμμα, συγκινητικό, μας αρνήθηκε, γράφοντας ότι είναι βαριά άρρωστος και ότι πια δεν μπορεί να συμμετάσχει πουθενά. Συναντήσαμε μετά τον Φελίξ Γκουατάρι στο σπίτι του στο Παρίσι. Λίγες εβδομάδες μετά από τη συνομιλία μου, διάβαζε εφημερίδες ότι ο Φελίξ Γκουατάρι πέθανε σε αυτό το διαμέρισμα από καρδιακή προσβολή. Έμεινε μόνο ο Ντελεζ, βυθισμένος στη σιωπή. Όπως έλεγε ο Πάουντ, η σιωπή τον έχει πάρει. Sûrement guattarien que la schizophrénie c'est une alternative, que le schizophrène dans le monde capitaliste c'est quelqu'un qui détérialise. Est-ce qu'on peut encore on peut comprendre encore de façon qu'on parlait à 66 de cette idée de schizophrénie? Moi j'ai jamais dit que le psychotique ou le schizophrène était un héros révolutionnaire non. Qui allait remplacer le leader de la classe ouvrière ou le militant des usines Poutilov de 1917, jamais dit ça. Non, mais parce que quelquefois, on a voulu nous faire dire des bêtises comme ça. Simplement, ce que je constate, c'est que le rapport avec le psychotique, par exemple dans une clinique comme celle où je travaille à la Borde, pose des questions avec insistance que généralement on s'efforce de ne pas voir. Remet en question le monde des significations dominantes, le monde des relations sociales, le monde de l'échange, le monde de l'affect. Introduit avec insistance des dimensions sémiotiques, sémiologiques qui sont en rupture avec justement ce monde médiatisé, ce monde du pouvoir dans lequel on est. Alors, d'une certaine façon, c'est comme une sorte de laboratoire très important. Alors, la psychiatrie, tout le monde s'en fout, on la laisse dans une misère épouvantable. Je suis allé, comme vous savez, à l'île de Léros où j'ai vu des choses difficiles. Je suis allé aussi, j'ai visité des hôpitaux dans la banlieue d'Athènes, qui sent quelque chose d'assez épouvantable à voir. Mais qu'est-ce que vous faites avec la psychose, avec la schizophrénie? Qu'est-ce que vous faites avec la psychiatrie? La question qui se pose, c'est pas seulement pour faire du bien dans le domaine social, c'est qu'est-ce que vous faites avec vous-même? Qu'est-ce que vous faites avec votre propre folie? Qu'est-ce que vous faites avec votre désir? Qu'est-ce que vous faites avec votre rapport au monde, avec votre singularité, avec votre naissance, avec votre mort? Est-ce que ça existe? Que c'est un objet qui a de l'importance? Oh non, ça ne regarde pas. On fait de la télévision, on fait de la production, on est dans le marché commun et la singularité, la finitude, c'est pas notre projet. Ah bon, ça m'étonnerait beaucoup parce que c'est quand même quelque chose qui est au cœur de l'existence. Dans des termes différents, dans un contexte différent, se pose d'aller saisir la singularité de l'autre sans rentrer dans un rapport d'identification, de suggestion, et puis d'être là, sous une autre forme, ami d'un processus possible, d'un processus qui ne se réfère pas à des universaux de la subjectivité, comme les
les complexes freudiens ou les mathèmes de l'inconscient lacanien, mais qui forge sa propre cartographie, qui forge sa propre métamodélisation et qui permet à l'individu, suivant les situations, de reconstituer des territoires existentiels là où il était dans l'angoisse, dans la déréliction, qui permet de reforger des rapports au monde, une possibilité de vivre. Alors c'est donc une activité qui se veut non modélisante et qui est beaucoup plus sous l'égide d'un paradigme esthétique que d'un paradigme scientifique, puisqu'il s'agit à chaque fois finalement dans une cure de forger une œuvre singulière. Έχω τους λόγους μου να πιστεύω ότι το τελευταίο κεφάλαιο του Αντιειδήποδα, του έργου των Ντελέζ Γκουατερί που έχει μεταφραστεί από χρόνια και στην Ελλάδα, εισαγωγή στην σχιζοανάλυση, είναι ένα κείμενο γραμμένο από τον Γκουατερί. Εδώ υπάρχουν λαμπρές παρατηρήσεις. Το ασυνείδητο δεν είναι ούτε θέατρο, ούτε σκηνή, αλλά είναι μια μηχανή, είναι πληθυσμοί, είναι ομάδες, είναι περιθωριακές ομάδες. Είναι γκρουπούσκουλο ως ομάδα. Το ασυνείδητο είναι μια μηχανή πολέμου που διέρχεται, περνάει μέσα από τις ερήμους, τις μη χωροταξημένες και τις μη πολεοδομημένες και διαχέει την επιθυμία. Φτιάχνει κανάλια ιδρευτικά. Ποτίζει τα ξεραμένα μας μυαλά. Les artistes, surtout depuis les grandes ruptures conceptuelles introduites par Marcel Duchamp, par John Cage et un certain nombre d'autres, c'est qu'ils travaillent de plus en plus sans filet, sans base. Ils n'ont plus de normes transcendantes et ils travaillent l'énonciation même du rapport esthétique. Et donc, comme ça, ce sont des gens qui, d'une certaine façon, sont les noyaux les plus courageux dans ce rapport de créativité. Il y a d'autres, il y a les enfants à l'âge de l'éveil au monde, il y a les psychotiques dont on a parlé, il y a les artistes, il y a beaucoup de gens, il y a les amoureux, il y a les gens qui sont atteints par le sida, il y a des gens qui sont en train de mourir, tout ça, ils sont dans ce rapport cosmique au monde. Mais les artistes, d'une certaine façon, forgent des instruments frais, des circuits, pour pouvoir affronter cette dimension de « qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que cette planète? À quoi je peux me raccrocher ?» À rien de transcendant. Tu peux te raccrocher au processus immanent de créativité. Et alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, le paradigme esthétique, en dehors de la production d'œuvres esthétiques, c'est quelque chose qui travaille aussi bien la science que la pédagogie, que l'urbanisme, que la médecine, que la psychiatrie, parce que c'est cette méthodologie même, cette méthodologie existentielle, cette micropolitique existentielle qui est élaborée d'une certaine façon, travaillée, creusée par cette perspective esthétique.
10 ans que vous étiez à Athènes, on parlait, on était même optimiste pour tous ces courants marginaux, toutes ces vagues. Maintenant, il y a une baisse. Mais non, il n'y a pas une baisse des courants marginaux, puisque aujourd'hui, ce sont des continents entiers qui deviennent marginaux. Ouais. L'Afrique est une marginalité monstrueuse, puisque vous avez aujourd'hui 600 millions d'habitants d'Africains qui sont dans une dévastation épouvantable. Et puis, d'ici l'an 2025, ils vont être combien ? 3 milliards. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer entre-temps ? C'est tout de suite 2025. Alors, si vous dites que la marginalité se résout, elle ne se résout certainement pas en Afrique. Elle ne se résout pas en Amérique latine. Dans les pays d'Amérique latine, comme le Chili et l'Argentine, qui appliquent les directives du Fonds monétaire international, alors on dit, oh, c'est très bien, ils ont résolu leur problème d'inflation. Oui, très bien. Seulement, il y a 20% de la population qui ont bénéficié et 80% qui sont dans une misère totale, etc. On peut multiplier les exemples. Aujourd'hui, au Pakistan, vous avez un esclavage, un esclavagisme monstrueux des enfants de 4 ans, de 5 ans qui sont là à faire des parpaings, à faire des... dans la boue. Vous avez un esclavagisme monstrueux dans tous les pays asiatiques pris sous l'orbite des nouvelles puissances industrielles. Possible que la marginalité ait un corps dans les pays développés se résorbe, mais c'est pas vrai dans les ghettos du South Bronx à New York, c'est pas vrai dans les banlieues parisiennes, et je sais pas ce qu'il en est à Athènes. Donc il est possible qu'il y a moins de conscience aujourd'hui, pour l'instant, politique dans les marges, et encore, c'est pas sûr, il faudrait vérifier. Il y a moins de répercussions mass-médiatiques, il y a moins la mode des marges telle qu'elle a pu exister dans les années 60 de la contre-culture et dans le mouvement de 68. Mais il y a aujourd'hui une mise à l'écart, une marginalisation catastrophique pour des populations humaines à l'échelle de la planète. C'est pas parce que les gens sont pris dans une société de consommation, dans des schémas comme ça, publicitaires, dans des manipulations de l'opinion, dans un urbanisme unidimensionnalisant, pour reprendre une vieille expression. C'est pas pour ça que ce sont des imbéciles ou que ce sont des moutons ou des animaux. Ils se reconstituent des territoires existentiels à leur échelle, comme ils peuvent. Alors les jeunes, en faisant des bandes, en s'attachant à la musique rock, au rap, etc., finalement, en constituant des pseudo-sociétés, quelquefois dans la délinquance et dans la drogue et dans le suicide, mais ils se raccrochent à la constitution de l'existence comme ils peuvent dans ce contexte d'une société de plus en plus duale, où on a une aristocratie capitalistique qui contrôle le pouvoir, qui contrôle l'argent, qui contrôle les communications, une jet society, et puis une masse de gens qui sont complètement perdus dans le monde, qui sont dans des contextes urbains épouvantablement aliénants, et qui sont dans un contexte de production où ils ne trouvent pas leur place. Aujourd'hui, le chômage touche beaucoup les jeunes, et même les gens qui rentrent dans le processus de production, ils sont marginalisés même quand ils sont intégrés dans ce processus de production. Une crise que j'appelle écosophique, pour élargir la notion
de pollution environnementale, non seulement aux dimensions matérielles de la pollution, mais aussi aux dimensions de la pollution sociale, de la pollution masse médiatique et de la pollution mentale. C'est pour intégrer toutes ces dimensions écologiques que j'ai formé, que j'ai forgé ce terme d'écosophie. Il y a le problème d'une réinvention de la vie sous tous ses aspects, sous ses aspects matériels, sous ses aspects sociaux, mais sous ses aspects incorporels. Il y a toute une problématique de l'écologie du virtuel à forger. C'est-à-dire, c'est un divan, et puis, dans le meilleur des cas, malheureusement, ce meilleur des cas, qui est celui du cinéma de création, laisse la place au cinéma industriel, à la série télé, et là, c'est plus du tout un pseudo-divan, mais c'est de la drogue, c'était un rapport de fascination. On allume l'écran de télévision, on attend la répétition des mêmes visages, des mêmes phrases, des mêmes significations. Tout ce qu'il peut y avoir de rupture événementielle dans le monde, traité par ce filtre masse médiatique, est transformé dans une sorte de bouillie insignifiante. Et plus rien ne peut advenir. On est pris dans un encerclement masse médiatique, ce que Virilio appelle un rétrécissement de la dromosphère. Il n'y a plus moyen de se déplacer. Au moment de la guerre du Golfe, on a vu que, par exemple, l'ici de la télévision était complètement dominée par le maintenant, par le rapport immédiat. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Étant entendu qu'il ne se passe rien, que tout ce qui pourrait venir à se passer est immédiatement absorbé et résorbé dans une sorte de rassurance avec un commentateur qui explique les choses, avec un général pendant la guerre du Golfe qui faisait des commentaires soi-disant avisés, souvent ridicules. Mais ce qu'on constate avec les médias, on le constate dans tous les domaines. On le constate dans le domaine, par exemple, de l'économie. Aujourd'hui, les économistes dans le monde prétendent qu'il y a une objectivité des objets économiques, qu'il y a une nécessité, que ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'il n'y a pas d'autre schéma possible, il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de bifurcation possible. Alors qu'il s'agit précisément de réintroduire un retour à l'immanence, un retour à la chaosmos. Dire mais oui, il y a un certain fonctionnement de l'économie mondiale qui conduit à une catastrophe épouvantable pour 80% de la population, à une pollution, à des dévastations écologiques monstrueuses. Mais il y a d'autres possibilités, une autre économie est possible. D'autres médias sont possibles, une autre philosophie est possible, d'autres formes d'art sont possibles. C'est cette question du possible, cette question de la reprise en compte, de la réappropriation qui se trouve posée aujourd'hui avec une grande urgence. Sinon, eh bien, si rien d'autre que ce qui est possible, on court vers une catastrophe planétaire, purement et simplement. Il faut être extrêmement prudent parce que la subjectivité individuelle et collective n'est pas d'une seule pièce. Il n'y a pas un sujet, une individuation comme ça qui lui donne sa consistance. Elle est feuilletée, elle est à plusieurs niveaux. Alors l'opinion publique, elle peut être complètement stupide. Elle peut suivre la mode, elle peut suivre les sondages, elle peut suivre toutes ces choses-là. Elle peut devenir raciste, imbécile,
se couper du monde, méconnaître ce qui existe comme misère dans le tiers-monde, etc. Bon. Mais en même temps, on s'aperçoit que quelquefois, elle a des retournements brutaux. Par exemple, on observe aujourd'hui en France, peut-être en Grèce, je ne sais pas, mais une très grande méfiance maintenant à l'égard du journalisme, à l'égard de la télévision, depuis la guerre du Golfe, depuis les événements de Timișoara en Roumanie. Vous dites, qu'est-ce que c'est ? Mais vous vous foutez de nous ? Alors on fait confiance, et puis on s'aperçoit que des fois vous nous mentez de façon éhontée. La même chose vis-à-vis du pouvoir politique. Donc l'opinion publique, c'est comme un être qui peut s'abandonner comme ça, parce qu'ils sont fous finalement. On dit d'accord, tu dis ça, c'est très bien. Et puis quelquefois, se ressaisir très brutalement, à la vitesse de la lumière, et dire mais non, mais on ne marche plus du tout. Et peut y avoir des retournements de l'opinion publique d'une très grande intensité et d'une très grande intelligence collective. On a vu par exemple en Chine un retournement de l'opinion publique au moment des événements de Tiananmen, où d'un seul coup, ça va plus, il faut arrêter ça. On a vu des retournements de l'opinion publique dans les pays de l'Est qui ont été bien plus importants que des rapports de force politique, que des rapports de force sociaux traditionnels, qui d'un seul coup ont détruit tout ce monde exsangue de bureaucratie. Et puis, l'opinion publique s'est fait reprendre par les pouvoirs dominants. Mais il faut faire attention avec l'opinion publique, parce qu'elle nous réserve bien des surprises. L'opinion publique, ce sont des ritournelles qui circulent, ce sont des ritournelles, c'est des visages, des matchs de football, des représentations comme ça, des rencontres de mode, des rencontres, elles cristallisent, elles font boule de neige, et puis elles s'évanouissent. Alors certains hommes politiques, certaines vedettes de la chanson, du cinéma sont portées par ces vagues, et puis quelquefois tombe par terre parce que ces vagues trouvent une rupture. L'opinion publique, c'est pas une opinion publique, ce sont d'immenses flux de subjectivités qui se traversent, qui travaillent les unes avec les autres. Et toute la question, c'est justement qu'il n'y ait pas une industrie, un pouvoir, une chape de plomb qui pèse sur l'opinion publique avec les médias, les CNN, les télécommunications mondiale, mais qu'elle se réapproprie, qu'elle se travaille, qu'elle se singularise, qu'elle devienne formation de pouvoir, qu'elle devienne formation de valeurs, nouvelle mutation d'univers de valeurs. Στο κύκνιο του Σάσμα, στο τελευταίο του βιβλίο, τι είναι η φιλοσοφία, σαν ένα κομμάτι για πιάνο, παιγμένο από τέσσερα χέρια, ο Ντελέζ και ο Γκουατερί αναρωτιούνται
τι έκαναν σε όλη τους στη ζωή. Τι είναι επιτέλους η φιλοσοφία, τι είναι πέρα από μια άσκηση ύφους. Και λένε ότι θα έπρεπε να έρθουν τα γυρατιά, θα έπρεπε να έρθει το γύρας για να αποκτήσουν αυτή την ελευθερία που είχε ο Τιτσιάνος γέρος, ο Μονέ γέρος ή ο Τέρνερ γέρος, οι μεγάλοι ζωγράφοι, όταν πια ανάμεσα στην ελευθερία και στην ανάγκη που χαρίζει το μεσοδιάστημα, το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο, όταν όλα τα όργανα, όλα τα κομμάτια της μηχανής συνδυάζονται, όταν οι άνθρωποι εξαντλούνται, να καταλάβουν πως η φιλοσοφία δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά μια δημιουργία. Μια δημιουργία ενιών. Μια δημιουργία ενιών που την κάνουν personnages conceptuels, θα έλεγα, ενιολογικά πρόσωπα, όπως είναι κατεξοχήν οι δύο φίλοι. Il faut quand même être un idiot aussi. Il faut quand même accepter quoi, la finitude. Il faut aussi être dans une pensée comme celle de Samuel Beckett, comme ça, pris dans dans cette épaisseur de l'existence où il n'y a pas de recours, où il n'y a pas de salut. Alors, c'est dans un aller-retour entre cette position singulière de la pensée et puis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette durcissement, cette bureaucratisation, cette dimension étatique qui gangrène les institutions, institutions universitaires, institutions psychiatriques. Très difficile à dire parce que c'est pas en faisant un schéma directeur, un plan, un programme qu'on peut beaucoup changer les choses. Il est évident qu'on ne peut changer les choses que quand il y a des foyers d'énonciation mutationnelle qui donnent envie de changer les choses, qui induisent l'idée du changement, la créativité collective. Malheureusement, par rapport aux années 60, la créativité collective, elle est tombée dans ce que j'ai appelé les années d'hiver. Elle est tombée dans une sorte de glaciation. Premièrement, et il y a toujours une petite marge, une petite possibilité. Déjà, dans votre contexte universitaire, vous avez quelques copains, quelques amis. Vous avez la possibilité de faire un noyau énonciatif qui peut-être trouvera des échos, des répondances. Et puis, ces dimensions comme ça, très locales, très micropolitiques, peut-être qu'elles vont rentrer en résonance avec des phénomènes de mutation moléculaire à une toute autre échelle, car finalement c'est le plus local qui communique avec le plus planétaire aujourd'hui. C'est s'occuper de la défense des arbres que Chirac veut couper dans Paris, c'est s'occuper de la défense des animaux, la défense de la biosphère, lutter contre la pollution. Ça rentre en résonance immédiate avec mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'être sur la planète? Est-ce que les hommes se sont crus dans l'univers comme sous le regard de Dieu, comme un don de Dieu, comme une création de Dieu. Et ça leur ôtait toute responsabilité à l'égard de la biosphère, à l'égard du cosmos, à l'égard de l'être. Et puis là, on leur dit, aujourd'hui, à travers ces petits actes microscopiques, mais tu es, c'est comme tu veux, tu es responsable de ce qui se passe. Tu as une responsabilité éthico-politique pour l'avenir
non seulement de la vie humaine sur la planète, l'avenir de toutes les espèces animales, l'avenir de la biosphère, l'avenir des espèces incorporelles, je dirais même l'avenir de l'être. L'être n'est pas un don de Dieu, l'être, il est produit par l'énonciateur aujourd'hui collectif qui est ce mélange de machines individuelles, de machines collectives, de machines technologiques, de machines scientifiques. C'est tout cette espèce de rhizome machinique qui produit de l'être, qui produit cette espèce de vertige extraordinaire qui fait que finalement, d'une certaine façon, aujourd'hui, Dieu... Une prise de pouvoir d'une pseudo-normalité, contrôle de l'université par les tenants du savoir, il y a le triomphe apparent du néolibéralisme, la religion du marché, comme si de rentrer dans le marché économique, ça devait résoudre, comme par miracle, tous les problèmes. Donc beaucoup d'illusions, beaucoup de fascination, notamment de la part des pays de l'Est à l'égard des modèles occidentaux. Et puis, ils s'aperçoivent à l'arrivée que c'est plus compliqué que ce qu'ils croyaient. Alors, donc il y a une sorte de à la fois de ce que j'ai appelé de glaciation, d'entrer dans des années d'hiver dont on se demande... Quand est-ce qu'on va en sortir avec des théories comme ça, très cyniques, comme le postmodernisme, bon oui, c'est comme ça parce que ça peut paraître autrement, il faut s'adapter, etc. Mais tout ça, ça correspond à une sorte de tabula rasa par rapport à beaucoup d'idées, beaucoup d'illusions, à partir de laquelle, devant nous, se trouve la question, je dirais la question de la question. Un nouveau questionnement, une nouvelle invention de perspectives, de propositions, de pratiques. Donc je crois qu'on est dans un espèce de mixte entre une démoralisation collective qu'on ressent beaucoup, un peu partout en Europe, mais en même temps avec un espoir de reconstruire quelque chose. Il n'y a pas grand-chose de manifeste dans ce domaine, encore que... Dans le domaine de l'écologie, il y a quand même des gens qui commencent à réagir, à intervenir, mais tout ça, c'est devant nous. Quoi. Il y a tout un futur. Qui est concepteur, eh bien, ce ne sont pas des intellectuels leaders avec un I majuscule, ce sont des agencements d'intellectualité, ce sont des mutations géopolitiques,
Ce sont des mutations de sensibilité. Ce sont une capacité aujourd'hui de lire le monde tel qu'il évolue à une vitesse prodigieuse. C'est ça, être concepteur. La Grèce, c'est le mauvais élève de l'Europe. Et c'est toute sa qualité. Heureusement qu'il y a des mauvais élèves comme la Grèce, qui portent de la complexité, qui portent un refus d'un certain... normalisation germanico-française, etc. Alors, continuez d'être des mauvais élèves et nous resterons des bons amis. Και εγώ με τη σειρά μου, σε όλη μου τη ζωή συλλογιζόμουν και δούλευα πάνω σε αυτή τη φράση από τον αντιδίποδο του Γκουατερί, ακόμη περισσότερη διαστροφή, ακόμη περισσότερα τεχνάσματα. Δηλαδή, ακόμη περισσότερη σχάση, απομάκρυνση, διαστροφή από την ταυτότητα και τις παγιώσεις, μετατροπή του εαυτού σε κομματάκια, σε εξαρτήματα, σε αυτό που ονομάζει ο Γκουατερί χάοσμος, χάος δηλαδή και κόσμος, σε αυτές τις σχιζοειδείς ροές για τις οποίες μας μιλάει ο Σάμουελ Μπέκετ, βότσελα, τσέπες, στόμα, παπούτσι, ένα κομμάτι πίπας, ένα πακέτο, σε αυτήν την ροή της γλώσσας και της επιθυμίας. Στην πόρτα, φεύγοντας από το διαμέρισμά του, με σταμάτησε και μου λέει να σου αφιερώσω το τελευταίο μου βιβλίο, τον «Χάοσμο». Με ονόμασε συνενοχό του στον «Χάοσμο». Moi, j'ai fait une dépression assez intense, aiguë, qui a duré plus de 2 ans, il y a quelques années, là, dont je suis sorti maintenant. Et ça a été une expérience très, finalement, très importante, très, très riche, quoi, de l'expérience de la dépression. L'évanouissement du sens du projet, du sens du monde, etc. Et donc, un atterrissage sur l'existence dans ce qu'elle a de plus proximal. Et à la fois une otoscopie. Hein? Et à la fois une otoscopie. Oui, mais évidemment, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre, Chaosmos. C'est un peu une réflexion sur cette plongée dans la dépression. C'est-à-dire qu'on est encerclé par des murs de signification, par le sentiment d'impuissance, par le sentiment que c'est toujours pareil, que rien ne peut changer. Et puis, quelquefois, il suffit d'une faille dans le mur, il suffit de quelque chose pour qu'aussitôt, on s'aperçoive que le mur, bon, ben, il est perméable. Je crois que c'est une lettre de Van Gogh, ça, non ? Ouais. C'est une lettre de Van Gogh. Lettre à Théo, ouais. Il y a une façon de se saisir soi-même dans un paroxysme, quoi, comme de... Il y a toujours le vertige d'une autodestruction, comme si l'autodestruction... La fin de tout devenait un objet érotique, comme s'il prenait le pouvoir. Quoi, c'est ça la gestion de la dépression, à la fois d'accepter ce vertige d'abolition, mais à travers ça peut-être de reconstruire une vision du monde, un éclairage, je dirais pas une sagesse, mais enfin...
Η φράση του Γκουατερί «Είμαστε όλοι γκρουπούσκουλα» που σημαίνει ότι και το άτομο, η μονάδα, ο καθένας από μας είναι ένα τέτοιο δυναμικό γκρουπούσκουλο, μια μηχανή πολέμου, μια machine de guerre, όπως έλεγε, σχολιάστηκε από τον Deleuze σε έναν πρόλογο στο βιβλίο του Γκουατερί «Ψυχαναλύζ et transversalité» με τα εξής. Ο Γκουατερί ενσαρκώνει την έννοια του αντιεγώ. Και αυτό το αντιεγώ, αυτή η σχάση μέσα στο εγώ που ξεπερνάει την ταυτότητα, που διαχέεται, που γίνεται ένα γίγνεσθε γυναίκα, ένα γίγνεσθε πουλί, ένα γίγνεσθε μουσική, αυτή είναι η σημασία που κομίζει η σχιζοανάλυσή του. Αυτός ο συνένοχός μου στον χάος μου, ο Φελίξ Γκουατερί, που δεν υπάρχει πια, έχει το μερδικό του στην φράση που έλεγε ο Μισελ Φουκώ για τον Ζιλ Ντελεζ. Ο αιώνας μας, αν θα είναι κάτι, θα είναι ντελεζικός. Δεν είμαστε πια εμείς οι ίδιοι. Ο καθένας θα γνωρίσει τους δικούς του. Βοηθηθήκαμε, εμπνευστήκαμε, πολλαπλασιαστήκαμε ο ένας από τον άλλον.